c'est une œuvre in situ, la grande œuvre qu'on voit derrière? Alors en fait, ça part d'un projet qui est au départ une gouache sur papier, qui fait à peu près 30 cm par 40, qui est un projet, qui est une réalisation sur papier qui date de 2009. Et quand Olivier m'a invité ici, et donc j'ai vu le lieu, j'ai tout de suite pensé à cette gouache que j'avais faite il y a 2 ans. Oui. Par rapport à ce canapé qui me pointe, je me suis dit que cette gouache avec ce volume qui ressortait serait très appropriée. Et donc je l'ai vraiment réalisée en grandeur nature par rapport aux proportions du mur qui est derrière. Voilà. Et donc au départ ça devait être une peinture murale, directement les poids, la grille directement sur le mur avec uniquement le volume qui s'est ressorti. Et en fait les contraintes d'installation et de temps de réalisation ont fait qu'il a fallu que je trouve une solution pour la réaliser différemment. Et c'est la première fois que je réalise une peinture complètement en 3 dimensions. Donc elle est même la peinture qui aurait dû être sur le mur et finalement maintenant en épaisseur. Oui, c'est ça. Tu devais peindre en fait à la base directement sur le mur et puis finalement ça t'a inspiré. Voilà, c'est la première fois que je peux repartir avec ma peinture. C'est bien. J'ai encore jamais fini les gants. De rien. L'année prochaine.